am what I say I am. Oui, nous sommes Egemon, nous sommes formés en 96 sur Montpellier. Et puis bah, on a fait 5 albums, un mini CD, et puis bah, on est toujours là, 26 ans plus tard, à jouer à la taf. Donc en musique, on fait du metal extrême, orienté black metal, avec une formation assez classique, guitare, chant, basse, batterie et un petit peu de synthé, mais en sample, hein, pas de claviériste dans le groupe. Ah, ça c'est le chanteur donc. On parle essentiellement de la décrépitude de l'humanité depuis le début et de la capacité qu'on a à se mettre sur la gueule plutôt qu'à faire des choses ensemble. Voilà, en gros c'est ça. Et dedans on inclut tout ce qui est religion, mouvement de masse, consommation, tout ce qui fait que les gens se laissent réduire en esclavage dans leur quotidien pour tout et pour rien et se laissent endormir, voilà. Alors, dans la musique, il n'y en a pas, mais par contre, nous, il y en a beaucoup. Hein. On est des bons vivants, mais qui utilisons notre musique pour exprimer sérieusement ce qu'on pense profondément, ce qui n'empêche pas de nous de faire des gens tout à fait normaux et qui aimons vivre, quoi, tout simplement. Hein. C'est-à-dire, c'est faire sérieusement un truc sans se prendre au sérieux. Voilà. Notre public. C'est quoi, c'est qui, féminin, masculin, agressif, gentil? J'ai envie de te dire un peu tout peut-être. Aujourd'hui, le black metal, c'est intergénérationnel, il peut y avoir des. Ouais. Dans notre public, il y a vraiment un panel assez vaste de générations, puisque cette musique est née il y a un moment, mais elle est toujours underground, mais en même temps d'actualité. Donc on a des jeunes, des plus âgés comme nous, qui ont suivi ça depuis les années 90, et puis des nouveaux venus. C'est plus ouvert qu'il y a 25 ans, quand on a commencé, enfin un peu plus même. C'était, on était un peu mal vus, les gens qui faisaient du black metal, tout simplement. Maintenant, c'est devenu quand même vachement plus démocratisé, entre guillemets. Ça fait toujours peur aux vieilles rombières, mais ça s'est quand même vachement amélioré en termes d'image, quoi. Pour exprimer un peu une certaine idée de suprématie, alors pas sur les autres et pas pour dire on est les meilleurs, mais simplement on est les maîtres de nous-mêmes, de nos destinées, de la façon dont on fait notre musique. C'est nous qui décidons de tout. Et d'ailleurs c'est pour ça que je pense on avance lentement. C'est parce qu'on s'est toujours un peu coupé certaines choses, parce qu'il faut que ce soit nous qui fassions et qui décidions. C'est une forme de liberté à laquelle on tient énormément. Et,
C'est ça. Grosso modo, c'est on fait comme on veut, ce qu'on veut, quand on veut.